Bonjour à tous et bienvenue chez Bonus Automobile. On se retrouve aujourd'hui avec ce nouvel arrivage, donc une Audi A6 Avant équipée du V6 3 litres TDI, lui faisant développer 272 chevaux. On va être sur une couleur gris ou longue en option chez Audi. Donc il faut savoir que c'est un véhicule français, donc déjà immatriculé en France, avec un entretien au début Audi. Après, c'est une voiture qui est passée dans nos locaux et le dernier entretien est un garage indépendant. C'est un véhicule où sa première mise en circulation a été le 11 octobre 2016. Le véhicule totalise 118 700 km et est affiché au prix de 28 900 euros. Au niveau du coffre arrière, on y retrouve un espace spacieux, une référence sur les A6 chez Audi, coffre à ion électrique. On y retrouve les logos A6, TDI Quattro, car c'est une 4 roues motrices, les deux sorties d'échappement sur les côtés. C'est un véhicule qui cumule pas moins de 14 830 euros d'options, avec un prix du véhicule neuf affiché à 86 000 euros. Au niveau de l'arrière, on y retrouve les vitres teintées. Pour les finitions, du piano black, Alcantara, cuir, Sono en option Bose. Au niveau des sièges arrière, on va être sur des sièges cuir Alcantara, avec la climatisation automatique pour les passages arrière, ainsi qu'une prise 12 volts. Comme option agréable en été comme en hiver, le toit panoramique ouvrant électrique. On y retrouve également l'option ses jantes en aluminium en 20 pouces. Nous allons maintenant passer à l'intérieur du véhicule. On y retrouve la même finition qu'à l'arrière en Alcantara cuir. Piano black, un bouton pour ouvrir le coffre arrière. On y retrouve les sièges cuir Alcantara électrique, mais également à mémoire de forme. À l'intérieur du véhicule, on y retrouve plusieurs rangements avec des prises pour le téléphone. Les portes gobelets juste ici où sont posées les clés du véhicule. Finition intérieure, on va être sur du piano black, logo Quattro en rappel, démarrage sans clé, on va avoir tous les boutons pour gérer l'interface du véhicule, je vais le démarrer immédiatement, l'écran sort d'ici. On va avoir à l'avant les sièges chauffants. Également, ce véhicule possède la suspension pneumatique. Ici, commande son, le frein parking, start and stop, siège chauffant, la partie clim, le contour. On y retrouve un volant Audi en cuir, également chauffant. Et nous sommes partis pour l'essai du véhicule. Excusez-moi, j'ai attrapé un petit rhume. Nous sommes situés à Barraqueville, où vous pouvez retrouver tous nos véhicules disponibles à la vente sur notre parc. Dans ce bâtiment, on va y retrouver notre aire de livraison, les bureaux, mais également la partie showroom. La Audi A6, véhicule toujours extrêmement confortable et agréable à rouler, avec une direction extrêmement assistée pour un confort optimal.
On y retrouve également des palettes au volant en plastique. Après, on va avoir tout ce qui est régulateur, limiteur de vitesse, essuie-glace et feu automatique. On y retrouve le GPS. Mais aussi, les 272 chevaux répondent immédiatement lorsqu'on appuie sur la pédale d'accélérateur. On peut gérer ici les différents modes de conduite. Mais en confort, la voiture fait aucun bruit et est extrêmement agréable à conduire. La A6 est réputée pour être une grande routière. Mais vous pouvez également l'utiliser pour vos trajets quotidiens. Nous en avons fini pour aujourd'hui avec l'essai de cette A6. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou même à partager notre chaîne YouTube ainsi que cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour de prochains essais. Excellente journée à vous. Au revoir.